Alors j'ai tout, et comme c'est une vidéo spéciale Noël, je vais vous faire de la simulation de neige. Jingle bell, jingle all the way. Oh my god, this is the ride, I'm going. Hey! À chaque fois que je fais un truc comme ça, je ne pense pas à l'après, où je dois ramasser les bitonios. Alors, venez voir un peu le bordel que j'ai mis. Oh putain, ça c'est les bonnes idées de ce van. Je vais mettre une heure à nettoyer. Pourquoi je fais des trucs cons tout le temps? Pourquoi? Pourquoi? Bon bah ça y est, j'ai tout ramassé. Oh non! Tu me défies? Tu me défies, petit con là? Hein? Tu veux que je t'attrape? Le petit ch'toubignou là? Ça y est, j'ai enfin trouvé tous les produits de Noël pour notre cher ami Gurki. Et il va passer un excellent moment. Ou pas. Parce que en France, on mange quand même des trucs chelous. Je m'en suis rendu compte en achetant tout. On mange des trucs à Noël. C'est pas très malin, en fait. C'est même pas très bon. Mais Gurki va le manger pour nous. Parce que c'est un cadeau de Noël, il ne peut pas refuser. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Donc là, je vais préparer le colis et je vais emballer toutes ces petites choses très sympathiques pour déjà que ça n'expose pas dans son colis, parce que s'il a des escargots qui jaillissent de partout, je pense que la douane va aller le cueillir chez lui en mode attentat au Québec. Et comme j'aime faire chier les gens, je vais emballer individuellement chaque produit. Bah oui, c'est Noël, alors autant lui faire des petits paquets de Noël, c'est normal. Je suis armée de tous mes petits rouleaux. Comme vous pouvez le voir, j'en ai énormément, parce que j'adore les rouleaux. J'adore emballer les choses. On dirait que je suis un pan de Noël. Je vais tout emballer juste pour voir son visage déconfit quand il ouvrira le colis. Je veux que ça soit la fête. Noël, c'est un moment joyeux et convivial. Je veux que ce colis soit joyeux et convivial, c'est logique. Donc, je vais vous présenter très rapidement tous les délicieux produits que je mets dans le colis pour Gurki. D'ailleurs, stop! Je vous arrête tout de suite. Si vous en êtes à ce stade de la vidéo et que vous n'avez pas vu la vidéo de Gurki, ça suffit. Vous allez voir sa vidéo maintenant. Ça, vous faites pause et vous allez voir sa vidéo. Et après, vous revenez dans ma vidéo parce que vous allez voir l'élaboration du colis. Donc, si vous regardez ça tout de suite, vous êtes spoilé. Je vais me mettre en pause pendant 10 secondes pour que vous alliez voir sa vidéo. Vous êtes prêts? C'est bon, vous avez vu la vidéo de Gurki? Très bien, on peut continuer. Donc là, vous allez découvrir tous les délicieux petits produits que je vais glisser dans son colis et que j'ai eu beaucoup de mal à rassembler parce que nous sommes en plein confinement. Donc, pour trouver certains produits, j'ai dû contacter certains producteurs en France pour qu'ils m'envoient individuellement les choses. C'était une tannée. Même des escargots en chocolat, j'ai galéré à en trouver. Les escargots en chocolat, ça devrait pas être sorcier. On est en France ou pas? Les escargots chocolatés devraient être partout. Enfin... Bon bah, je pense que c'est le moment où je vous présente tous les petits produits que je vais envoyer à Gurki. Bon bah voilà, c'est déjà pas trop mal. Je fais un peu de place pour vous montrer, j'ai quelques trucs encore, mais qui sont emballés, donc vous pourrez pas les voir. Là-dedans, ce sont les escargots de Bourgogne. Dans ce paquet, ce sont des brescolas. Dans ce colis, nous avons de la terrine d'huître. Et dans celui-là, nous avons un petit cadeau pour la famille Gurki. Ce sont des boules de Noël spéciales fast-food. Par ailleurs, comme c'est Noël, c'est bien normal que tout le monde ait un cadeau. Donc, Gurki, la caméraman et Chibi, le petit chat, ont le droit à un cadeau chacun. Je vous les présente. Pour Chibi, un magnifique costume de Noël avec un petit chapeau et une tenue à clochettes. Pour la caméraman, ce magnifique pug qui fait un magnifique son pour embêter Gurki en cas de vidéo un peu... C'est un très bon signal d'alarme quand quelque chose n'est pas bon du tout. Et le meilleur pour la fin, pour Gurki, nous avons un somptueux pull de Noël acheté à une grand-mère anglaise. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un dinosaure de Noël avec des sequins. C'est très important les sequins. Donc avec ça, il est bon pour faire la fête. Donc voilà, ce très beau pull. Franchement, il est beaucoup trop grand pour lui, mais au moins il sera confortable. Oh, on dirait que j'ai une toute petite tête, regardez. Oh, ma tête est toute petite derrière le pull. Ça a été très compliqué de se le procurer, mais je pense que c'est vraiment le pull le plus laid de Noël qui existe. Bon, bah ça va être le moment où je dois choisir le carton parfait pour emballer tous ces trucs.
Très important le choix du carton, parce que oui, faut que ça soit suffisamment grand pour tout transporter sans que ça se pète la gueule, donc j'ai plusieurs types. J'ai celui-là, je pense qu'il est d'une taille pile poil, mais c'est pas assez grand, il ne passe pas le test, il est refusé. Ensuite j'ai celui-là qui est d'une taille légèrement plus haute, je ne pense pas que ça soit encore suffisant. On va partir sur le gros carton. Je pense qu'on est pas trop mal. Mais d'abord, je vais faire un truc. Tous les petits bitonios qui sont là, on va les mettre dans une pochette. Je vais les mettre là-dedans. Et là, on met les roues doudou, comme ça, voilà. Et on va prendre l'autre pochette avec un très beau T-Rex. Et on va mettre les chocolats. Et oui, Jamy, les chocolats. Voilà. Deux pochettes bien équilibrées. On apprécie les friandises dans les dinosaures. Pour protéger le fond, on va mettre les chips. Déjà, là, je pense qu'on n'est pas trop mal, on a un fond qui est très bien tapissé. Avec ça, les choses ne devraient pas se briser en mille morceaux. C'est comme le nid d'un petit poulet. Et regardez, je suis une vidéo avec des bras. Bonjour, c'est la vidéo marionnette de Sovan. Aujourd'hui, Sovan est absent, donc nous sommes ses mains et nous allons parler à sa place. Parce que j'ai complètement raté mon cadre et qu'on ne me voit plus. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais emballer individuellement tous les trucs qui sont sur le côté que vous voyez ici, avec tous mes petits rouleau. Je vous propose un petit time-lapse de ce moment exquis. En fait, je me faisais une réflexion là pendant que j'emballais. Je sais pas lequel de nous deux ça va faire le plus chier en fait. En fait, ça va pas faire chier Gurki tout déballer, lui ça va lui faire plaisir alors que moi, c'est chiant d'emballer les trucs, qu'est-ce que c'est chiant. Je me lance toujours dans les pires trucs. Bon, je vais pas vous laisser pendant une heure à me regarder emballer des trucs, donc je vous propose une ellipse. Quand je reviens, tout sera emballé et beau et ce sera Noël, attendez, vous allez voir. La magie du montage, j'arrive pour faire la magie du montage et... Eh ben salut hein. Je crois qu'on a un colis à terminer. D'ailleurs, cette tasse est vide. Non, je voulais juste vous la montrer parce qu'elle est vraiment très jolie. Regardez, il y a des dinosaures partout. Même dedans, même au cul. Bref, on n'est pas là pour parler d'une tasse dinosaure, on est là pour finir le colis pour le Gurki. C'est parti. Zou. Comme vous pouvez le voir, tout est emballé ou presque. J'emballe pas les chiffres, je vais pas me faire chier jusqu'à ce point-là. Donc tout est là, tous les petits cadeaux sont emballés du mieux que j'ai pu. Voilà, il y a de très beaux paquets, vraiment du plus bel acabit. Et on a bien protégé avec plein de boudins. C'est très compliqué d'être dans le cadre. Je suis retourné, je suis un lémurien. Aïe, oui, oh putain, pourquoi... Bref, on va remonter cette caméra au niveau de mon visage. Voilà, mon soyeux visage, ça me fait vraiment plaisir. Ce que je vais faire, je vais prendre chaque petite chose et je vais les mettre dans le grand colis. Le dernier truc qui me reste à emballer, c'est le pull. Vous rappelez le pull, le cadeau suprême pour Gurki. Il faut que je l'emballe. Et on va tout mettre dans le colis et puis ce sera bon. Il n'y aura plus qu'à l'envoyer au Canada après. Au Québec, province des délices, de type sirop d'érable. J'ai tellement hâte de voir sa tête. J'ai tellement hâte de te voir déconfit, Gurki, comme une vieille confiture. D'ailleurs, la petite pause que vous connaissez de tous les youtubeurs. Ton nez est là. Je te rends ton nez si tu t'abonnes et si tu mets la cloche. Est-ce que tu t'es abonné, tu as mis la cloche? J'attends, c'est fait. Tiens, prends ton nez. Voilà. Tu as ton nez de nouveau, tu peux respirer les fleurs. Fais l'inventaire. Allez, à toutes. C'est le cadeau pour Gurki. Ça, c'est le cadeau pour Chibi. Ça, c'est le cadeau pour la caméraman. Et ça, c'est le cadeau pour eux trois. Bien ça, que dedans c'est les bons cadeaux. Maintenant, je prends le grand carton. Je sais même pas comment je vais pouvoir emmener ça à la poste. On va mettre le carton comme ça. Ça va pas rentrer. C'est pas le moment de niaiser. Non, 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 non. Ah ouais, mais putain, mais en fait, si je mets ça là-dedans, tout va pas rentrer. Oh merde. Attends, on va tout faire rentrer d'abord et après on verra ce que je fais dessus là. Ah putain, si je dois envoyer en deux fois, ça va pas être marrant.
Ça va pas rentrer. Et ça va pas fermer. Ça va exploser. Bon, il faut réfléchir sérieusement. La place pour les chips, allez. Soyez chic. Dites-moi que ça rentre. J'en ai un qui rentre là sans problème. J'ai un peu peur qu'il soit un peu en difficulté. Oh, comment ça, ça se passe mal? Comment ça, ça ferme pas? Moi, je vois pas de quoi vous pouvez parler. Est-ce que je l'envoie en plusieurs fois? Et il va avoir peur, Gurky, s'il reçoit trois colis déjà. Je suis obligé de l'envoyer en deux fois. Ah, attends, j'ai une idée. Les colis sont sauvés. J'ai réussi à dispatcher dans deux colis. J'espère que j'ai rien oublié, sinon je mange ma tête. Ça, c'est une sacoche que tu mets autour du colis pour qu'il soit étanche. Avec ça, je vais mettre du scotch fragile en indiquant le haut et le bas pour éviter que les gens secouent les pauvres colis en tous les sens. Et puis hop. Et puis moi, je garde un somptueux paquet de chips. Je suis épuisée. Bon, ce qui se passe maintenant, c'est que moi, je vais écrire une petite carte de Noël à Gurky et sa douce famille québécoise. Hein. Et puis ensuite, je scellerai les colis après avoir bien vérifié 10 fois que j'ai tout mis et je l'envoie à la poste. Et aller à la poste, croyez-moi, ça va pas être une partie de plaisir parce que ma poste, elle est loin. Elle est loin. Et le colis est très lourd. Non, mais si j'arrive pas à le soulever, le colis, il doit faire 5 kilos, là. Ça coûte combien d'envoyer 5 kilos? Ouf! La préparation du colis est terminée. Maintenant, je dois l'envoyer. Je dois attendre que le Gurky le découvre en vidéo. Et à mon tour, je recevrai un colis. Et je ferai une vidéo où je découvre le contenu du colis de Gurky. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire. Je lis tous les commentaires, donc n'hésitez pas à en laisser un. De toute façon, si vous voyez un petit like sur votre commentaire, ça veut dire que je l'ai lu. Voilà, je vous laisse, je vous fais des grands bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah ! Je coupe ici, je crois. Ouais.